Yo les potes, vous êtes bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur ma chaîne qui s'appelle Les Cités de France. C'est Jarod et Alex qui m'ont proposé, ils m'ont dit « Mais Zach, t'as fait 35 pays en Europe, mais il y a une grande partie de la France que tu ne connais pas encore. Et si t'allais dans des villes de créateurs pour pouvoir du coup visiter la ville avec ces derniers et qui te montrent les coins qu'ils aiment bien, par exemple là où ils aiment bien manger, là où ils sont allés à l'école, une place avec une belle histoire. » Donc aujourd'hui, bah vous le voyez, je pense, vous l'aurez déjà reconnu, nous sommes à Rennes. Et pour Rennes, forcément, je pense qu'on pense tous à un créateur. Et qui de mieux pour visiter cette belle cité que notre ami le Bouzeux qui a accepté directement comment pour ça ce va, premier Zach épisode. Bonjour, ça me fait bien d'avoir pensé à moi parce que c'est vrai que Rennes, bon c'est vrai que je suis youtubeur rennais mais il y en a d'autres, mais donc merci d'avoir pensé à moi. Ça fait très plaisir mon gars. Je suis trop content. En plus je suis jamais venu. Ah tu oui vois. C'est pour ça. Quand je suis venu te chercher au train, tu m'as dit c'est la première fois que je mets ma tête, mes pieds en Bretagne. En Bretagne tout court. Genre t'es jamais en Bretagne. C'est surtout l'ouest de la France où je suis très déficient, genre Nantes, Bordeaux, j'ai jamais fait, La Rochelle, j'ai jamais fait, même Caen, Mont-Saint-Michel, Brest et compagnie, bref on pourrait sortir encore des tonnes de villes. Et ben c'est des villes que j'aspire à faire au fur et à mesure justement. Bah, j'avoue qu'au bout d'un an de vidéos ou deux ans, tu t'auras déjà fait pas mal de choses. Exactement. Ça va être notre pays, il y a aussi des belles choses à voir. C'est vrai. Et en plus, alors je me permets, toi t'es né ici, t'as vécu ici? Je suis né ici, ouais. J'ai pas vécu ici toute ma vie, mais on va dire 80% de ma vie. Tu sais, j'étais le mec, genre j'habite à 30 minutes d'une grande ville. Ok. Donc en fait, j'habitais toutes les villes autour de Rennes, mais en général le samedi, le week-end. Je vois le bail. C'est vrai que l'intro, elle fait très automoto parce qu'on a des petits... Bah en fait, j'ai dit à Zach, par contre, Rennes. Et j'ai l'impression qu'il a cru Rennes, c'était une ville vraiment toute petite. Mais elle est quand même assez grande. Donc je me suis dit, en une après-midi, si on veut faire un petit peu tous les coins que je kiffe, il nous faut des bolides électriques. Exactement. Donc je me suis dit, quoi de mieux que des vélos et un scooter électrique. On va aller visiter les premiers coins de Rennes. Est-ce que tu as déjà une première idée à côté? Bah, on est sur la place Charles, c'est ça? Place Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Je pense que les Rennais, vous connaissez, c'est là où il y a la fête foraine. C'est là aussi où il y a pas mal d'événements. On voit, ils installent des trucs. Là, je sais pas du tout ce que ça va être. Et là, t'as le Liberté, là où tous les spectacles, les artistes qui viennent. Le cinéma, le Gaumont, voilà, ici. Trop cool. Et on est bien, quoi. C'est ce que je te disais en off, comme ça, tu vois, une grande place où il peut y avoir des trucs autour, mais qui, entre guillemets, sert pas à grand chose. Genre, il y a un peu vide à part les événements, bah, ça me fait penser à Place Bellecour, tu vois. Ouais, bah, je vois. Je suis allé à Lyon. Après, Bellecour, on va pas se mentir que c'est 2-3 fois plus grand. C'est peut-être 4 fois plus grand. Mais passer le cheval et la terre battue autour, mais et la grande roue, tu vois. C'est le même principe, une grande place en ville, tu vois. Bah, là, on y est, tu vois. Il y a tout à côté. Je pense qu'on est parti pour aller visiter d'autres petits monuments, d'autres petites places. Je te suis, monsieur. On est parti. Let's go. Je suis trop content, les gars. Ça a été le premier endroit que j'ai vu en arrivant à Rennes. Oui. En tant que supporter lyonnais, en sortant du train et en montant la voie, j'ai vu une belle boutique réservée au Stade Rennais. Oui. Tu as voulu m'emmener en premier endroit à la gare? La gare de Rennes, les gars, j'ai l'impression de l'avoir en travaux depuis que je suis petit, depuis que j'ai 10-12 ans. Et là, l'avoir enfin terminée, ou presque, parce que je sais pas trop si elle est vraiment terminée, ça fait trop plaisir, putain. Dis-toi que ça, je voyais les routes là, c'était en travaux, mais pendant tellement longtemps, les bus et tout, on savait pas trop si on avait le droit, machin, c'était la merde totale. Et je pense que c'est maintenant une des plus belles gares de France, tu vois. J'ai eu l'occasion d'en faire pas mal, vu que j'ai pas mal pris le train, et je t'avoue que cette gare-là, ça me fait kiffer. Tu sais, quand le truc prend un petit coup de vieux, et après quelques années où ça t'aura dérangé en voiture, en vélo, en trotte, tu sais, tous les travaux, tous les trucs, et tu vois le rendu final, de sur quoi c'est réussi. Monsieur, c'est trop bien. Regardez les lignes, regardez l'architecture. Ouais, ça, non, c'est beau. Ça, c'est de la gare, monsieur. Et juste à côté, alors je sais pas si elle existe encore, il y avait la gare routière. Okay. Et quand j'avais pas le permis à l'époque et que je voulais aller, je sais pas, à Saint-Malo ou à Dinard ou même aller chez moi quand j'habitais à Mort-de-Bretagne, à Main-de-Bretagne, je prenais toujours ce petit bus-là qui m'emmenait jusque là. Et Saint-Malo, c'est le petit endroit, genre Saint-Malo, à la cool à aller quand t'es de Rennes. Quand t'as un petit date, je t'emmène en bus à Saint-Malo. Tu vois, c'est trop beau. Ça fait les travaux. Puis c'est quoi, sur le bord de la côte et tout, je suppose qu'il y a la plage. Ouais. Oh là 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 là, les Saint-Malo un jour. Ouais. Un jour, vous aurez votre épisode. Les Malouins, pas les Saint-Malouins. Je crois que c'est les Malouins. Les Saint-Malouins. Mais on est là pour apprendre un petit peu, tu vois, des beaux côtés. En plus, franchement, sans mentir, quand t'arrives en face, regardez, il y a des beaux bâtiments, Paris-Brest Hotel, des petits kebabs, une petite crêperie, encore une fois. Non, ouais, c'est, t'as l'odeur, t'as de la place. Puis t'as le métro juste en dessous aussi. Donc le métro qui dessert. Il y a le métro dessert, il y a une ligne de métro, et là, il va y avoir la deuxième qui arrive très bientôt. Trop cool. Donc on va avoir deux lignes en X, tu vois, pour desservir un maximum de personnes. Trop bien. Et du coup, bah, il y a plein d'appart qui étaient situés sur la deuxième ligne. Du coup, compris. Ça fait monter l'immobilier. Bah, je te dis pas. Du coup, là, juste après, je t'emmène juste derrière. Okay. Donc là, on est à la sortie nord, t'as la sortie sud. Et je spoil pas, un endroit quand même très mythique. Okay. Un peu moins joyeux, mais à faire quand c'est même. Cool à faire. Ah,
Monsieur, tu m'as parlé d'un endroit un petit peu moins joyeux, je crois. Exactement. Et tu vas vite comprendre. Bah, je vois des petites barrières rouillées, là, comme ouais, ça. On est à la prison des femmes de Rennes. Donc, je crois que c'est une des seules prisons des femmes qui est vraiment au centre-ville. D'accord. Et elle fait vraiment, elle est très grande et elle est très ancienne aussi. Et tu me disais, en fait, ici, c'est quelques barrières, mais autour, c'est ouais. quoi C'est des, de la pierre, quoi. On va pouvoir voir tout à l'heure. C'est ouais. vraiment de la pierre, des grandes murailles de 5 mètres en pierre. Dedans, tu as des miradors, tu vois, un petit peu. Oh là là. Dans cette prison furent détenues de 1940 à 44 des femmes résistantes à l'occupation. Elles furent ensuite déportées à Ravensbrück. Peu d'entre elles y survécurent. Souvenons-nous de leur sacrifice. Ça me rappelle par exemple, pour être honnête avec toi, genre j'avais vu une prison similaire en Estonie où c'était aussi, tu vois, sur des crimes pendant la Seconde Guerre mondiale liés ouais. au communisme et des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est des endroits, quand t'as la chance de les visiter, c'est chargé d'histoire. Ouais, c'est chargé. Donc je comprends. Est-ce que le prochain lieu est plus joyeux ? Oui, là c'était le seul lieu, on va dire, un petit peu... pas très gay, quoi. C'est là, là. Ça comme ça. La vidéo en mode tragique. Toute la vidéo, t'es là, putain, battu. Donc là, je te présente le plus grand centre commercial de la ville. Alma 4 étoiles. Alma 4 étoiles, mec. Alors, je sais pas pourquoi il y a 4 étoiles. C'est pour le flow, 4 étoiles, monsieur. Voilà, mais c'est l'arrêt de Rennes. On va dire qu'on en a 3 grands. Il y a Saint-Grégoire, grand quartier, Alma, et puis à l'intérieur, il y a le Colombier. En plus, j'ai vu, c'est ce que tu m'avais dit, là, on est à côté, et là, on les voit un peu en fond, de plein de petits quartiers et tout. Quartier Henri Fréville. Et c'est là où il avait grandi Lorenzo. Ouais, Lorenzo, donc l'empereur du sale que vous connaissez peut-être. C'est dans les quartiers, alors je sais pas lequel exactement, mais ça doit être par là, quoi. C'est mignon, parce que en fait, ce qui est trop cool avec le fait qu'on fasse ce que je te disais avec... ouais, avec les petits vélos, là. Les petits vélos, c'est que du coup, au lieu d'être dans le métro et tu vois le métro ouais. et le souterrain... Là, tu vois les paysages. Là, je vois les paysages, tu vois. Tu vois l'architecture. Je vois l'architecture et Rennes, en tout cas, de ce que j'ai vu, en tout cas, là, sur le segment, pour faire de la gare à ici, c'est assez fleuri, c'est assez ouais. vert. C'est vert, c'est très vert, ouais. Et moi, tu vois, par exemple, quand je suis allé dans des villes comme Copenhague, ouais. les espaces verts, pour moi, c'est essentiel pour faire une bonne ville. Ok, bah là, on pour est moi, pas Rennes mal. Est une bonne ville. Tu vois. Et l'Alma, c'est ici que tu allais manger un petit milkshake ou boire un petit milkshake quand t'avais 15 ans. Exactement. Et que tu ramenais des demoiselles. Exactement. Quand t'emmènes madame faire du shopping, je sais pas, tu viens là, s'il y a tout qui est regroupé, c'est top, tu vois. Énervé. C'est sûr que par rapport à un grand centre commercial de rien que Nantes à côté, ouais. de base, je suis pas fan. Mais Atlantis, c'est leur centre commercial. Il fait 3 fois notre plus grand centre qu'à nous, tu vois. Ah ouais, l'Atlantis, ça ouais, vous éclate Atlantis, un petit peu. Ah ouais, ça nous éclate. Fort. Hein, au moins, tu le reconnais. Ouais, je le reconnais. Même en termes de magasins et tout, ils sont carrément au-dessus. Moi, dès que j'avais dit, ouais, y a quoi voir à Rennes sur Twitter, directement, des mecs m'ont fait bien à Nantes. Va à Nantes. Je dirais, les mecs, je vous demande Rennes là quand même. J'irai prochainement. J'irai un jour, tu vois. Pas de soucis. Et pour l'instant, je profite d'ici. Exactement. Sachant que là-bas, j'ai dit rivalité régionale. Il m'a dit, non, c'est pas la région. C'est pas la région. Parce que Nantes. C'est pas la Bretagne. Faut pas l'oublier ça les gars. Non, c'est pas la Bretagne monsieur. Donc voilà, le petit centre Alma, qui est très grand. Là je t'emmène dans le 5e, si ça n'a pas changé, plus grand lycée de France. Let's go. Le lycée Bréquigny, là où j'ai fait une année. Voilà, trop intéressant. Ça va être cool. Tu voulais m'emmener dans un petit endroit qui représentait ouais. beaucoup d'histoire pour toi, c'est ouais. ça? En gros, pour tout expliquer, j'ai dans ma vie voulu faire expert comptable. C'est chiant. Ouais, parce que j'aime bien les maths et je me suis dit, l'expertise comptable, les chiffres, tout ça, je vais peut-être kiffer. D'accord. Du coup, je m'inscris en APB. Tu te rappelles d'APB? Oui, bien sûr. Admission post-bac. C'était avant Parcoursup. Ouais, donc eux, ils ont Parcoursup et nous, on a eu APB. Donc je m'inscris pour IUT, GEA, DCG, machin truc. Et j'ai été pris ici en DCG, diplôme de compta gestion. C'est 3 ans avant le DEC pour faire dans l'expertise comptable. Donc c'est pour se préparer. Donc j'étais là, au lycée Bréquigny. On était juste derrière là-bas. Trop cool. Et en même temps, de pouvoir faire cette formation ici, c'est un lycée qui est hyper grand, qui accueille, je crois, je vais pas dire de conneries, donc je vais rien dire, mais combien d'élèves? 3000 il me semble. 3000. Oh mais 3000 élèves c'est une institution. Ça commence à être pas mal. Hein. Ouais c'est beaucoup. On est sur un très très grand lycée. Et il y a combien genre tu sais de filières, des trucs comme ça? Est-ce que tu sais il y a combien de filières de ouais il y a combien de filières monsieur? Alors je me permets de demander. Oh, je pense que peut-être une dizaine. Donc on est avec Jonathan un terminal. Ouais. Et du coup t'as quand même passé genre un bon cursus et tout là-bas, c'était cool? Pas du tout. Non pas du tout, c'était pas ouf. Bah je séchais beaucoup, ça me plaisait pas. Et un jour je me suis fait gauler par mes parents. Et là je me suis pris la sauce du siècle. Ils regardaient mes relevés de d'absence. Non bancaire. Ah. Ils ont vu que j'avais pris un verre en bar en centre de Rennes en même temps que je devais avoir cours. Oh là là. Ils m'ont demandé d'expliquer ça, j'ai pas su trouver les bons mots. Bah tu sais, en plus ça c'est la preuve physique. Oui. Genre tu vois, genre ouais. t'es mort quoi, tu vois, je peux pas dire non. Et puis là vraiment mes notes c'était pas genre 7-8, c'était vraiment 2-3. Donc c'était une catastrophe. J'ai passé quand même une très bonne année, j'avais une bonne promo. Ouais. Donc on sortait souvent, en classe il y avait une bonne ambiance. C'est juste que bah je bossais pas. Ça a été refait ou pas dedans?
Un petit peu. Nouveau self, carrément. Nouveau self aussi. Ouais, ça se voit que ça a été refait. Parce qu'à l'époque, c'était quand même. Ça faisait un petit peu vieillot. Un peu délabré, on va pas. Délabré. Ok, bon, ça va, s'ils ont retapé un peu depuis et tout, tu vois. Là, quand je te parle de mon année, là, on est en 2000, on est en 2013. Ok. Donc, c'était il y a 9 ans. Il y a quasi une dizaine. Donc, ça commence à faire. Ça fait plaisir. Petit lycée Bréquigny, c'est ça? Lycée Bréquigny, voilà. Non, en plus, je suis content qu'on fasse ça parce que ça, c'est vraiment un bail où il va y avoir, tu sais, quelqu'un qui va voir la vidéo qui va se dire, oh putain, mais on va voir mon lycée, c'est trop cool. Ah, c'est trop bien. En plus, c'est trop bien. En plus, regarde, il ne suffit que tu tournes sur toi-même pour que tu vois la légion de gens qui nous regardent en train de faire ce séquence. Attends, mais là, on est là devant un lycée aussi. On cherche. Il avait prévenu. Bon, moi, je suis passé devant, là, comme ça, tu vois, avec les petites motos, les petits vélos. Je t'ai dit, non, mais là, je suis à côté, là. Il y a un truc. Et moi, je dis, mais il y a quoi? Genre, là, je regarde, il y a un bâtiment d'affaires, très bien, mais bon, je pense pas que c'est ça qu'on vient regarder. Et on est là, bon, ok, il y a la roue, il y a un resto, mais tu parles de quoi? The Boîte, la référence rennaise. L'espace club. Donc là, en vrai, ça paye pas de mine parce que là, on dirait c'est ridicule. Ah, parce que mec... Mais tu rentres. Là, ça a l'air d'être une cage à lapin, là. Non, là, tu rentres, t'as un petit couloir et après... par contre, l'espace, c'est très genre... Il y a de la place, mais il y a tellement de demandes, il y a tellement de gens qui veulent venir qu'on est collés, quoi. Et il y a beaucoup de queues et tout, je suppose. Ouais, là, la queue ici, tu viens là. T'imagines habiter juste là? Non, faut mieux pas imaginer. Je vois le délire un peu boîte, cage à lapin, X queue de l'infini avec des gens un peu chauds, tu vois, chargés à blanc comme ça. Ah bah là, tu viens, en plus, les gens sont à moitié bourrés, tu vois, ils font du bruit. Bon, après, je pense qu'ils sont limités parce qu'il y a un videur qui doit... Ouais. Voilà. La question étant, ouais. Est-ce qu'on est loin de la rue de la soif? Bah, parce qu'on en a parlé. C'est vrai que j'aurais dû commencer par la rue de la soif parce qu'en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre une race rue de la soif. Le parcours de la nuit rennaise, vas-y. Et ensuite, t'as une grosse houle qui descend. Dès que ça arrive 1h, 2h du mat, chou! Et hop, ici. Genre comme un cortège de football, ouais. Genre là, d'un coup, il commence à y avoir plusieurs dizaines de personnes qui font la transition. Surtout qu'à Rennes, en tout cas, quand j'allais souvent en boîte, là, j'y vais plus du tout. J'avais 3 boîtes qui étaient connues. Ok. Le Delicat, qui est pas loin rue de la Soif. Le Pims, qui est maintenant le 88. D'accord. On va pouvoir passer tout à l'heure à côté. Et l'espace. Ça paie pas de mine, mais monsieur, moi je suis content de voir des institutions. Tu m'as montré ton lycée, tu m'as montré une prison, ouais. il m'a montré son lycée. Ouais, bah en vrai, l'ordre, j'ai pris l'ordre pour le trajet. Trop bien. Mais bon, moi j'ai aucun souci, moi je suis là pour voir des choses, et ce que je suis en train de voir, ça me fait plaisir. Petite anecdote, vas-y. J'ai bossé là, en tant que, ça s'appelait maître de salle, mais déjà, premier truc, nettoyer le vomi. J'avais un petit produit, tac tac, le vomi était tout sec après, donc je le mettais à la pelle, hop, je changeais les rouleaux de PQ. L'étape principale, c'était quoi? Aller chercher les verres, les trucs en plastique, tu vois, tout ce qui servait, sur un plateau. Donc j'ai faufilé. Ouais, les gens ils étaient comme ça, moi j'étais comme ça, en train de me faufiler. Et limite une fois sur deux, un mec pensait que c'était un serveur. Jinto. Et puis ensuite les ramener aux différents bars, aller les mettre dans le lave-vaisselle, tac, pour que chaque barman ait son verre disponible. Tu vois. Et t'en gardes vite fait des bons souvenirs ou c'était... C'était dur. Moyen. À travailler, c'était très dur. D'accord. On n'était pas forcément super bien payé. C'était 23h30 minutes jusqu'à 5-6h du matin. Ouais. Mais c'est une expérience. C'est le monde de la nuit. Bien sûr, monsieur. C'est le monde de la nuit. Et comme style de musique, vraie question. C'est genre commercial, c'est genre un peu beauf en mode avec ta coupe là, tu serais bien ou... Bon, je t'envoie une petite balle. Ou alors, oui, j'ai une petite balle là, gratuite. Ah, je rigole. Ou alors, c'est genre quel style? C'est techno, afro, c'est quoi? Bah, moi à l'époque, c'était un mélange, tu vois, il y avait du commercial et c'était plus, toi, techno, on s'ambiance. L'espace, mais tout ça pour dire que l'espace, c'est vraiment la boîte Rennes. Let's go. Voilà. En plus, on se rapproche du centre, donc je suis content. Voilà. Pour pouvoir voir le centre Rennes. Exactement. La vieille ville. Où est-ce que nous sommes? Là, Zach, on est République. République. Il y a des gens, ils sont morts de rire, quoi. Ça rigole. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. On est vraiment au cœur du centre-ville. D'accord. Et ce grand bâtiment, c'est quoi? C'est un hôtel de ville? C'est un truc officiel? Il y a un maire peut-être? J'ai envie de te dire que je sais parce que je le vois tout le temps. Mais je sais pas. Mais tu ne sais pas. Okay. Donc là, quand il fait beau, les gens se posent. Pas mal de pigeons. Merci. Nickel. C'est le maire. Nickel. Merci. Les gars, vas-y, ciao. Pour la petite anecdote, quand j'avais 10-11 ans et qu'on était genre en 2005, on n'avait pas de footlocker en Warren. Ok. Et moi, j'étais fan de TN. Tu vois, les requins. Ça faisait des requins à l'époque. Ça s'appelait les requins et t'avais aussi les Air Max déjà 90 à l'époque et tout. J'allais au Mans pour acheter mes propres TN. Et juste après, du coup, ils ont créé le footlocker qui est juste là. Qui est venu vous ramener la technologie. Sauver la vie, quoi. Voilà. Ça vous a ramené la technologie, voilà. Et les requins. Voilà, exactement. 15 ans après, l'arrivée des requins à Rennes via footlocker. Donc là, ouais, c'est la rue principale. C'est-à-dire que si tu vas pas à Alma pour faire tes magasins,
Ouais, tu viens ici, ouais, je vois. Tu viens là, tu fais la rue, parce qu'il faut. Un des plus grands, quand il a été créé, je crois, en 2015, un des plus grands Zara d'Europe. Zara d'Europe. Oh ! Avec 3-4 étages. Il est énorme. On se fait une photo à trois. C'est le maire de la ville. Non, on prendra le temps qu'il faut pour prendre cette vidéo. Je vais m'incruster dans les photos. Les gens, ils me connaissent pas, ils me demandent pas, moi je vais me mettre. Allez, vas-y. Ah non, nickel. Nickel. Excellent. Allez, vas-y. Le plan, c'est de ruiner un maximum de photos. Et là, on va arriver. Vers où? Place de la mairie. Place de la mairie? Place de la mairie, donc la mairie. Si tu te maries un jour et que tu veux te marier à Rennes, c'est la mairie. C'est ici que tu descendras les marches? Ça va être ici. Moi, j'aimerais bien me marier à Rennes. C'est ce que j'allais dire, tu vas te marier à Rennes, toi, monsieur. J'aimerais beaucoup me marier à Rennes parce que c'est ma ville. Mais le problème, c'est que si elle est de Nantes ou d'une autre ville, tu vois, elle aussi, elle voudra peut-être se marier... Dans sa ville. Ah oui, dans sa ville. Et à ce moment-là, tu fais comment? Et là, je fais comment? Bah, on prend un mi-chemin. Oh. Donc là, on a le carrousel qui est là depuis que je suis né, déjà, il était là, donc voilà. D'accord. On a la mairie juste là. Ouais, je vois ça, petit drapeau français, européen, opéra. Ukrainien. Ancien opéra. Toujours l'opéra ou pas? Ouais. Toujours l'opéra, voilà. Trop cool, ça. Avec une petite place sympa. Et moi, je me posais une question. Ouais. Ok, tu pourras peut-être répondre et la réponse m'intéresse. Tu vois, souvent, on dit que les Rennais ou les Bretons, de manière générale, sont très fiers de leur identité. On voit leurs drapeaux de partout et tout, machin. Pourquoi, d'après toi? Alors, on est au centre de Rennes, donc une des villes principales de la région. Pourquoi est-ce que les Rennais sont très... Oui et non. Ok, une Parce des villes principales. Fait, on est la plus grosse, mais... L'île-et-Vilaine, c'est pas pour les vrais Bretons qui sont du Finistère, c'est pas la vraie Bretagne. D'accord. Il y en a, il y a quelques débats. Il y a tous des débats, voilà. Des trucs. En mode nous, c'est la ville, c'est on est là, voilà. Ok. Mais si tu peux, genre sur l'identité bretonne. Je sais pas. Ah ouais. Parce qu'on est, je sais pas, on est trop fiers d'être Bretons. Vraiment? Ouais. Putain, moi je me disais, c'était une histoire. On nous inculque ça dès le plus jeune âge en fait, qu'on est Bretons, que c'est trop bien. Et du coup, vous portez ça genre de génération en génération. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ma famille, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes parents. Et vraiment, même au niveau, par exemple, des spécialités, des choses qui se font. Pareil. Parce que j'ai l'impression que ça se ressent dans les prénoms, dans la bouffe, dans tout ce qui va avec. Tout. Vraiment tout. Oh là là, monsieur. Ah non, c'est trop bien. Tu sais pourquoi j'ai parlé de bouffe? T'as faim? C'est chaud. Bah attends, on arrive tout à l'heure Sainte-Anne, on se prendrait une petite crêpe. C'est obligé. Ce monsieur est un roi. C'est obligé. Ce monsieur est un roi. Tout était prévu, les gars. On sort de la place de la mairie à droite. T'as le Parlement. Ok. Avec rue Saint-Georges. Trop cool. Où il y a toutes les meilleures crêperies de Rennes. Mais c'est pas là qu'on va aller. Là, Zach, on est rue Le Bastard. La rue la plus mythique du centre-ville de Rennes où il y a... Enfin, après rue de la Soif, peut-être. Mais là, c'est où il y a les magasins. Quoi. Selon ce que tu recherches. Ça fait la transition entre Place Sainte-Anne et République, tu vois. Je capte le délire. Mais monsieur, pourquoi c'est écrit rue d'Estrée? M'aurais-tu menti? Ah, putain, attends, rue d'Estrée. C'est où rue Le Bastard? C'est pas là? Non, c'est là, normalement, arrêtez. Il s'est trompé. Non, les gars, dites-moi que j'ai raison. Ah, c'est là, putain. Ah, bon, ça aurait été à 50 mètres près. Attends, je me suis trompé. Ok, j'avoue. Et là, on est à Devrède. Devrède, c'est là où j'ai fait mon stage en BTS MUC. J'ai fait 2 ans de BTS. Je fais mon stage ici, donc j'allais bosser très régulièrement ici. Tu sais que les deux dernières fois, je t'ai demandé si c'était bien, que ce soit le taf à la boîte ou le lycée, tu m'as dit que non, c'était pas ouf. Ouais. C'était bien? Pas ouf. Non, si, c'était bien. C'était bien quand même, mais... Non, c'était pas ouf quand même. On va y arriver. C'était bien, mais pas ouf. On va y arriver. Je vais arriver à un truc où il va me dire c'est bien. La vente, en fait, c'était... J'ai découvert ce petit côté où chaque jour, tu dois faire un chiffre. Ouais, ok. Et là, tous les vendeurs, ils étaient... Donc, en fait, c'était des animaux, quoi. Pression, un manager au-dessus qui est peut-être relou. Ouais, tu vois. Wesh. Ça va, quoi? Vous êtes youtubeur, vous aussi, les gars? Ça va, tranquille. Putain, regarde les mêmes pères, monsieur. Attends, par contre, non mais monsieur, je me permets, on peut filmer ou pas? Vous validez cette Regarde, regarde, il a le pantalon avec. Il a le pantalon. Petite anecdote. Ouais. Est-ce que tu me reconnais? Ah oui, tu connais. Est-ce que tu le reconnais? Oh, la question piège. Il y a longtemps? Il y a longtemps, pas si longtemps. À Mayenne? Non. Non, arrête. Oh, ancien voisin. Des abonnés, je sais pas quoi. Il y a des gens qui toquaient chez toi, c'était moi. Oh, gros chien. C'était toi le gros chien. Ah, oh, c'était lui. Et en gros, on est Dis-moi que t'as grandi. Oh, le bâtard. Vas-y, sans rancune. Sans rancune, quelques années plus tard. Ils évoluent, hein. Voilà. Bah oui, gros, bah les gars, bon après-midi. On a tous changé. Vas-y, ciao. Zach. C'est Hermi. La place Sainte-Anne. Une place mythique de Rennes. Enfin. Avec des crêperies. À tout va. Je voulais. Là, normalement, ce qu'on fait l'été, même quand il fait beau, tu viens sur une terrasse, tu prends ta petite galette complète, ta petite crêpe Nutella, tu kiffes. Et ça régale. Ah, tu kiffes. Mec, on m'avait dit Sainte-Anne, faut que t'ailles place Sainte-Anne, place Sainte-Anne. Ah bah tu vois, bah c'est là. Donc là, il y a eu des gros travaux, parce qu'il y a une deuxième ligne de métro, comme je t'ai dit. Ouais, et elle va s'arrêter ici aussi.
Donc il y a la première ligne et la deuxième ligne. Et pendant qu'ils ont fait ces travaux, ils ont trouvé des vestiges de je ne sais quelle époque. Ah bah ouais, donc du coup ça coupe le truc. Ouais, ça a coupé. Et du coup maintenant c'est vraiment très grand, épuré et tout. Mais avant c'était tout petit, tu devais forcément passer par là. Ouais, je veux le délire. Marcher dessus. J'aime bien hein, ces petits bâtiments, à quoi ça ressemble et tout. La crêpe à emporter qui va se perdre, elle va être... Ouais, donc oui, c'est vrai que t'as faim. Quand je viens ici, je pense toujours à cette crêperie Saint-Anne. C'est ta place ici ? Bah, cette crêperie, ouais, j'aime beaucoup. On en prend une ? J'ai essayé de donner un avis très sérieux à propos de ça. Après, attention, les Bretons, là, c'est une chèvre miel. Hein. C'est pas... Monsieur... C'est pas le puriste. Je suis limité, je ne mange pas de porc, malheureusement. Monsieur... C'est bon ? Ça peut être écœurant, une galette complète. Non ? Zach Nani valide officiellement les crêpes de la région bretonne. Ça va être clippé et mis sur Twitter. Ça, c'est du sérieux, ça. Ok, donc là, Zach, t'as une crêpe Suzette, la crêpe typique de Bretagne. Je veux voir. Donc, c'est une crêpe flambée au Grand Marnier. Si, ça flambe. Mais si. Mais non. Regarde, il y a des flammes de partout. Mais non, normalement, ça devrait être bleu. Ouais, c'est pas de la grosse flambe, quoi. Ah, elle va le flamber à l'intérieur, puis elle va le ramener. Hein ? Tu la refais. Ouais, on va refaire, t'inquiète. Promis. Coupe pas le premier essai, on coupe jamais les premiers essais. Pas. Oui, voilà, c'est ce que je me disais. Ah, si, là, on le voit, tu vois. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah oui, mais c'est une piscine, ton truc, là. Bon appétit. Mais il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Oh là 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 là. La base. Voir monsieur dans sa base. Ça fait plaisir. Les amis, il y a le bouseux, il est allé pisser. Et il a gardé son micro. Et le micro, il a une grosse portée. Et il n'est pas au courant, en fait, qu'il l'a gardé. Donc, en fait, j'ai envie d'attendre et de voir... Si on l'entend pisser, si on l'entend, on l'entend. Oh oui. Zach. Monsieur. Il est temps d'y aller. Alors on va y aller, il n'y a pas de problème. Il y a juste un moment que tu as raté. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à ton cou ? Et qu'est-ce que t'es allé faire ? Oh putain. Vous m'avez espionné. Vous m'avez espionné. Apparemment, ça monsieur. Non, j'ai fait Vivi. Tu es pas allé avec le dos de la cuillère. Non, j'ai fait Vivi. Oui, juste, mais. Bon, on l'entend bien. Mais, mais tu sais que. La petite anecdote, combien de fois ça m'est arrivé de faire des tournages avec une GoPro tête, ouais. D'aller pisser et de filmer mon sgeg. Juste en face là, ouais. On va avoir la rue Saint-Michel. D'accord. Autrement dit, la rue de la soif. D'accord. Mais de base, c'est la rue Saint-Michel, tu vois. Et genre, t'es vendredi ou samedi soir à Rennes, ouais. Tu veux sortir. Là, c'est blindé. Hein. Là, c'est blindé. Ça va, les gars. Ouais, y'a tout ce qui va. Ouais, tranquille, hein. Ciao les gars, bon après-midi, buvez bien. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut se déplacer. On peut se déplacer plutôt tranquillement. Ça s'est senti. Mais là, tu viens la nuit, bah là, c'est collé quoi. Et quand, exemple, quand Rennes avait gagné la Coupe de France en 2019, un truc comme ça. Bah ouais, bah. Les festivités ici, là. Elles étaient. Mais là, c'était même pas que ici, c'était partout. Ah, c'était partout. C'était la folie. Ah oui, c'était la folie. Attends, déjà, là, maintenant, c'est un petit peu galère. Là. Ouais, là, c'est un peu plus galère. Elle est courte, mais il y a du monde. C'est la bonne ambiance. Non, je vois ça. Hein. Là, ce qui est cool, c'est que c'est à une heure encore où les gens sont pas trop... Ouais. Et ces trucs-là, c'est pas fini. Là, c'est une rue aussi où, avant d'aller en boîte, il y a beaucoup de gens. Et tu vois, il y a les bars, il y a le petit vélo, le scoop. Ouais. C'est des... pas mal de bars sympas. Donc voilà, tu vois, on a vu l'espace tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, juste avant, les gens viennent là. Ok, d'accord. Ou alors ils sont chez eux à l'appart, ils se la mettent et après ils vont à l'espace. Ok, du coup là, on arrive sur la place un peu finale. Vas-y. C'est la place d'Hélice. Le soir, c'est rempli. En fait, t'as plein de petits groupes. Ok. Avec des petites bouteilles de cristalline. De spiritueux. C'est carrément pas de la cristalline dedans. Voilà. Genre ils font apéro, ils se posent, ils font des trucs. Ils mettent une petite enceinte. En tailleur, sur les marches. Et à l'intérieur, le bâtiment, il y a des choses qui se passent ou c'est, en fait, c'est ça, un préau si c'est... Tu veux, la place d'Hélice, c'est aussi le marché d'Hélice. Et c'est un des marchés les plus connus de Rennes. Hein, d'accord. Le marché le plus connu, je pense. Et du coup, bah, t'as un marché, quoi, et dedans, t'as les produits frais, je pense. Donc là, on a fait vraiment le tour des rues un petit peu étudiantes. Ouais. Et là, je pense qu'on va aller au Tabor. Hein. Au parc. Le parc. Le parc du Tabor. Alors, je vais sûrement très mal le prononcer, ça va faire rigoler tous les Bretons. Le Queenaman. Le Queenaman. Le Queenaman. C'est le dessert Queen, le plus gras du monde. Le Queenaman. Il y a beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Ouais, c'est un Queenaman, ça se dit. Okay. C'est le dessert breton. Ouais. Et c'est quoi ? C'est un dessert avec que du beurre et du sucre. C'est très gras. C'est quoi le concept ? Bah le concept c'est que c'est un dessert breton. Non mais je veux dire c'est un gâteau, c'est une crêpe, c'est une crème. C'est un gâteau, ouais, c'est une pâtisserie. D'accord. Et en fait en Bretagne nous on est très beurre. Ok. Et beurre de micelle, beaucoup. Ça par contre je valide, tu vois. Vraiment, quelqu'un qui mange du beurre doux chez nous. C'est une hérésie. C'est. Ah, on l'insulte quoi, on est obligé d'insulter, on est désolé. Zach, c'est pour toi ça, regarde. Zach il arrive à Paris, je lui dis ouais. On va se louer des petits trucs électriques pour aller plus vite dans les rues parce que c'est quand même grand. Il dit par contre moi j'ai pas le permis mais.
J'ai pas le permis. Après, il y en a plein dans ton cas qui habitent dans des grandes villes qui ne passent pas le permis parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. J'ai passé toute ma vie dans des grandes villes, mais ouais. Tu vois, au-delà d'habiter dans des grandes villes, ces derniers temps, mon père il m'a relancé, tu vois. Et je lui dis à l'heure actuelle, à 2 euros le litre, c'est pas le moment, il m'a dit, ouais, c'est bon. Première fois de ma vie ah, ouais. Que mon père me relance, oh, putain. Que je lui donne une réponse et qu'il me dit, ouais, t'as raison, allez, salut, je te laisse. J'avoue que l'excuse est fiable. L'excuse est solide. On retourne reprendre les vélos ouais. Et on va. Et on va au parc. Mon ami, j'ai le sentiment que nous sommes arrivés au Tabor, dans un parc. Alors là, il y a beaucoup de gens, on est vendredi soir, il fait bon, mais magnifique. En gros, là, cette pelouse-là, les gens, ils se posent, ils discutent, ils révisent, mais ils profitent de prendre des vitamines du soleil, tu vois. Et le parc, il est vraiment grand ou pas? Le parc est très grand. Ok. Enfin, très grand, pas comme la Tête d'Or, je pense. Il y a un petit coin avec des animaux, il y a des coins pour des spectacles. D'accord. Il y a un peu tout ce qu'il faut, quoi. Et d'avoir un parc comme ça, en plein centre-ville, c'est trop bien. Bah frère, franchement, pour le coup, on est arrivé ah ouais. Bah, du coup, là, d'à côté de République et tout, porte à côté. Hein. Ouais, on est vraiment à côté. Ouais les gars, juste à vous. Petite question avant. Ouais, ouais. L'endroit, le meilleur endroit de Rennes. Ouais. La rue de la Chasse. Ah ouais les gars. Ah ouais. Et attends, tu sais quoi? Autre question, si vous deviez ramener une petite quelque part, ce serait où? Rue de la Soie, rue de la Soie. Les filles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Bonjour, le meilleur endroit de Rennes. Oui. C'est lequel? Le plus emblématique. Celui que vous préférez. La rue de la Soif. Oh non, oh non. Ouais, ils sont tous fans de la rue de la Soif. C'est la rue de la Soif pour tout le monde, monsieur. Rue de la Soif, après. Le Tabor. Ok, ça marche, on valide les réponses. Des réponses similaires. Après, Zach, j'y peux rien si à Rennes, ils sont tous fans d'alcool. Hein. Moi, je viens, j'observe. Je viens et j'observe. C'est comme ça. Ça, c'est de la pelouse bien entretenue. La pelouse anglaise, genre West Ham. Genre West Ham, exactement. Ou genre Leicester. Ou genre 4-2. Ou 4-1. Oh, chien. Oh, bordel. T'inquiète, c'est juste après le stade. C'est pas mal, en tout cas. Moi, franchement, j'aime bien. Ce genre de petit parc, tu sais, poumon au cœur de la ouais, ville. Bah là, avec ta gonce, tu vois, tu viens, tu te balades. Terre, c'est genre à Lyon, tu vois, genre de fin mars à fin juin, c'est vraiment l'idéal. Fait beau, ouais. Commence à faire chaud, mais pas trop. Est-ce que c'est similaire, non. Genre... Nous, c'est toujours aléatoire. C'est très aléatoire. Quelle est la suite de ton programme? The Rosen Park. Il est dans la ville ou pas? On a l'avantage d'avoir un stade qui est entre les deux. À moitié en ville, à moitié en périphérie. Comme c'est pas en ville-ville, bah il y a de la place pour se garer. Pas de galère. Personne. Et comme c'est pas loin de la... C'est en périphérie, mais pas trop. Du coup, t'as pas 600 km à faire comme à Lyon, qui est assez loin quand ouais. Même. Tu es déjà allé? Bah je l'ai vu parce que je crois que j'étais à Annecy ou je sais plus où et en revenant à Lyon en voiture, ouais. Je suis passé par en fait, en passant par le truc, je suis passé ouais. À côté. Ouais, à Lyon, ça dessine. Un petit peu comme à Lille où c'est à Villeneuve-d'Ascq, ouais. Tu vois. Et en fait, genre, t'as le centre-ville de Lyon et t'as... Mais vraiment, le parc OL, quand tu rentres ouais. Et que genre, imaginons, il y avait un peu de monde, ce qui arrive pas tout le temps, même au-delà de ça, tu mets une heure à rentrer facile. Ouais. En transport en commun et tout, ouais, ou alors vrai. En voiture, c'est l'enfer. Genre, c'est trop bien. C'est très long. Mais en général, après, pour l'aller, c'est bien desservi, mais pour okay. Le retour, c'est un peu plus... Après, pour les jours de gros matchs, c'est toujours le bordel. On se garait, trouver une place. Aller à pied machin, mais c'est trop bien. On connaît la chose. L'ambiance, de toute façon, quand tu vas voir le match, que tu fasses une heure de marche ou 10 minutes, t'es content, t'es là en mode allez, on va aller voir, let's go. Oh, c'est bon. On va aller voir gagner, mais pas se qualifier. Roison Park, let's go. Pour terminer la vidéo, monsieur a voulu m'emmener dans un endroit. Qui pour moi est synonyme de très mauvais souvenirs, mais qui pour lui est révélateur de bonnes choses. Mais... Oui. Pour tout dire, j'ai commencé à aller ici. Vers 2003-2004 avec mon papy qui était abonné. Avec papy quoi. Avec papy. Donc ça veut dire que t'as vu genre les Kim Kallström, les Petr Cech. Olivier Monterrubio. Oh, John Utaka. Bien sûr. Bah oui gros. Cech au goal. Cech au goal mais... Cech au goal. Les amis, nous sommes au Roison Park, comme vous l'avez dit. Park. Au Roison Park. Roison. Au Roison. Désolé, j'ai voulu faire le français, je l'ai refait. Au Roison Park. Voilà. Le stade officiel du Stade Rennais. 35 000 personnes, c'est ce que tu m'as dit? 35 000 places officielles, il me semble. Donc anciennement, le stade de la route de Lorient, parce qu'en fait, là, tu vas tout droit, t'es à Lorient. Trop bien. Donc c'est la route de Lorient. Stylé. Et ils l'ont renommé le Roison Park il y a quelques années. Est-ce que Roison, c'est pour genre le langage breton? Ouais, c'est Rennes en breton. Parce qu'en fait, j'ai vu un truc, j'ai remarqué quand on était à Gare, c'était marqué Gare de Rennes et juste en dessous, Tigare, ouais. Roison. Roison. Et à chaque fois, dans une ville bretonne, t'as le panneau. Rennes, et en dessous, t'as le panneau Roison. Roison ou... Archi stylé. En breton, quoi. Et c'est quand la dernière fois que t'es allé au stade, du coup? C'était il y a un petit mois, je dirais. Et quand ouais. Tu vas, genre, t'es où? T'es en normal? T'es en cop? Est-ce qu'on t'a déjà invité, par exemple, en loge? On m'invite, mais j'y vais pas, j'ai peur. T'as peur? Non, j'ai pas que j'ai peur, mais t'es genre, il faut que j'aille, non, il faut que j'aille.
Faut que j'aille en cop. Même filmer, ce serait incroyable. Franchement, ce serait trop cool. Mais sinon, moi, j'aime bien mélanger avec les gens, mais dans les tribunes, ce soit en angle ou aux autres. Ou sinon, ouais, des fois, je suis au coin VIP. Ouais, je vois. Il est cool le coin VIP ou pas? Ouais. Mais l'ambiance, c'est pas pareil. Ouais, c'est, ah, c'est pas pareil. Moi, il y a quelques années, j'allais souvent aux loges à Lyon. Ouais. Et c'est vrai que l'ambiance, c'est pas pareil. Et tu vois, maintenant, je suis abonné à Lyon. Et moi, chaque match, ça va dans le feu, tu vois. Ouais. Tu connais le chant Galette saucisse, je t'aime? Galette saucisse, je t'aime. J'en mangerai des kilos. Et des kilos. Il a la coupe qui va avec le son, c'est magnifique les gars. Magnifique. Oh, putain. Et là, mais en tout cas, très stylé de pouvoir voir un petit peu l'entre de la chose. Et alors, petit détail qui tue, j'ai vu... Alors là, il y a le parquet. À côté, il y avait un Leclerc, c'est ça? Juste là. Connaissant le football et ses fans, je pense que ce Leclerc doit gentiment servir de recharge pour divers solitaires. Il y a moyen. Et surtout, servir le parking, tu vois. Bah oui. Tous les gens se garent là. Bah écoute, franchement, je pense que je peux te remercier de m'avoir fait ce grand tour, parce qu'on termine par le Roison. J'aurais vu, je pense, l'essentiel. Le meilleur pour la fin, on va dire. Bah ouais. Même s'il y en a qui diront que Rue de la Soif, c'est mieux que Roison Park. Bah, je me doute, je me doute. Au final, du coup, on a fait quand même beaucoup de choses. Ouais. Il me manquera pas grand-chose. Il manque quand même des petites choses. Ouais. Mais en tout cas, vraiment, t'as fait le principe. Les gars, je remercie forcément Bouzy parce qu'il a accepté de venir sur ce concept pour l'épisode 1. C'est-à-dire que vous vous doutez bien, quand on fait un truc, faut tester. C'est améliorable en plein de points, sans doute. On s'est dit, ouais, une petite GoPro sur la tête, ça aurait été bien en plus. Peut-être un deuxième cadreur à l'avenir, tu vois, des choses comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire un petit peu, genre, s'il y a des améliorations. Ouais, s'il y a des petits points que vous trouvez, ce serait trop cool. Ouais. Je pense que ce serait lourd. Pareil, si vous avez des créateurs que vous aimeriez que j'aille voir dans d'autres villes, n'hésitez pas. Je peux déjà vous spoiler l'épisode 2, ce sera à Angers avec Yas. Oh, le boss. Forcément, on est sur un bon client. Et j'irai enfin voir la ville angevine. En tout cas, je suis pas du tout contre aller à Brest, aller à Nantes, aller à Bordeaux, aller à La Rochelle. Attends, là, tu dis que des coins de l'Ouest, là. Tu veux visiter l'Ouest ou tout? En fait, c'est l'Ouest surtout que j'ai pas beaucoup fait. Mais après, en réalité, aucun mal à aller à Strasbourg, Nice, Lille, même si c'est des villes où je suis déjà passé, tu vois. En tout cas, les amis, cet épisode, ce premier des villes de France est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est le cas, comme d'habitude également. Bah, les commentaires pour la gratification. Merci encore, mon gars. Merci à toi. Tu m'as fait kiffer, les gars. Ça m'a fait super plaisir de 4 heures qu'on marche, on vadrouille, on fait vraiment trop agréable. Même non, tant plus que ça. 5 heures. Ça fait 5 heures qu'on est ensemble et qu'on tourne et c'est super lourd. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à la prochaine les amis. Bisous. Ciao les gars.